250 millions de francs CFA pour soutenir les organisations de la société civile camerounaise. Elles sont 10 au total, dont les projets ont répondu aux critères de sélection de l'ambassade de France au Cameroun. Les trois axes que nous avons mis en avant cette année, c'est l'environnement, la participation citoyenne et la paix. Et donc nous avons lancé un appel à projets. Et les 10 qui ont été sélectionnés sont les meilleurs parmi tous ceux qu'on a vus sur les 550 qui se sont présentés pour bénéficier de ce fonds PISCA. Les fonds vont servir à financer plusieurs projets d'appui aux déplacés internes et de promotion de la paix sur l'ensemble du triangle national. Cette année, nous ciblons 6500 déplacés. Nous avons des activités d'animation, notamment les dialogues communautaires pour la paix. Nous avons aussi des activités de formation des déplacés. Nous avons aussi des activités génératrices de revenus, notamment parade agricole pour une exploitation agricole de 5 hectares par les déplacés et parade entrepreneuriale pour la mise sur pied d'une microfinance, d'un GIC pour la promotion des projets déplacés. Notre projet consiste à faire le suivi budgétaire de 8 communes dans les villes de Douala, Yaoundé et Limbé. C'est vraiment, en fait, le fond du projet, c'est d'arriver à créer un vrai lien entre les jeunes et les femmes à la base et leurs communes. Chacun des 10 projets retenus cette année va bénéficier d'un appui de 25 millions de francs CFA. Le programme d'appui à la société civile dénommé PISCA est une politique mise sur pied par la France pour aider le gouvernement à sortir de la crise. Les 10 associations triées sur le volet vont mener des projets visant à rétablir le dialogue et promouvoir la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.